Hey, salut YouTube! Aujourd'hui, on va faire une petite session de Shootmania Obstacle parce que ça fait quand même longtemps. Alors, on est déjà sur une carte et voilà, regardez, on est là. Alors, il va sûrement y avoir des drops sur le live pour ceux qui regardent le live, bien sûr, c'est normal. On est dans mon créneau d'après-midi, donc vous savez, à 16h40, je crois, un truc comme ça, ou 16h, entre 16h et 17h, Dailymotion a toujours quelques petits soucis. Donc voilà. Alors, on est sur une carte ici, une carte que j'ai rejoint juste avant de lancer le stream, donc c'est pas. C'est pas incroyable, mais voilà, elle est plus que 4 minutes en ligne. Donc en gros, c'est une carte assez facile. Je sais plus sur quel serveur je suis. Et voilà. Et d'ailleurs, ah oui, à propos de Shootmania là, j'ai décidé de ne plus accepter les gens dans ma liste d'amis parce que malheureusement, le jeu commence à full bug parce que j'ai trop de friends dans le jeu. Donc c'est pas parce que je vous aime pas, hein. Enfin si, je vous aime pas évidemment, mais l'excuse officielle c'est ça commence à faire bugger le jeu et c'est un peu le bordel. Donc voilà, alors vous avez vu mon cadre extrêmement professionnel. Le cadre qui permet de faire les réseaux sociaux. Alors là par contre, voilà, je n'avais plus d'endurance. Vous savez que les grappins ne marchent pas avec l'endurance. Alors Shootmania Obstacle, alors bon, l'obstacle qu'est-ce que c'est? L'obstacle c'est une sorte de parcours avec un K qu'on doit finir si on veut atteindre la fin de la carte. Et il y a des gens qui font des cartes là-dessus, on comprend pas trop leur message d'artiste à travers tout ça. Mais en tout cas ils le font et ils s'amusent bien. Donc c'est bien. Est-ce que c'est gratuit Shootmania? Alors non. Le mode obstacle n'est pas gratuit. Il y a des modes gratuits, je crois. Je sais même pas où on en est d'ailleurs de ça. Il devait y avoir Elite et Royal gratuit, je crois, mais maintenant, eh bien, ce n'est plus le cas. On va essayer de la finir en 3 minutes. Bon, ça va être un peu chaud. Hein. C'est pas une carte très difficile, mais voilà. Raté, merde. Alors je vais bouger un petit peu plus les épaules. Ça me permettra d'être un petit peu plus fort. Hop. Raté encore. Il faut que je fasse d'abord le mur du côté, ce sera bien plus simple je pense. Hop, hop. Merde, j'ai pas ressauté. Il faut faire deux jumps. Alors Zera, les LCS, ce sera sur la TV1. Oui, alors, on a les LCS, hein. Pour ceux qui disaient oui, machin et tout. Voilà, on a enfin le droit de les stream, hein. Voilà, il fallait juste qu'on s'y prenne un petit peu mieux. Et pas comme des manches. Donc oui, nous avons les LCS, nous allons les streamer aujourd'hui. Enfin, quand je dis nous allons, c'est Eclipsia, hein. Moi je ne shootcast pas les LCS. Je n'ai pas le niveau technique nécessaire. Et puis maintenant, on a un duo. On a quand même les deux meilleurs commentateurs de France. Hein. Les deux, les quatre, qu'est-ce que je raconte. On a les quatre meilleurs commentateurs de France, du monde, de la Terre. Donc, chez Eclipsia. Donc, autant faire un stream avec toutes ces personnes. Donc, Twix/ Jiraiya Skyheart, bien sûr. En direct sur la TV1, juste après. Alors, allons-y. Non, il n'y en a pas d'autres. C'est eux, les quatre meilleurs. Voilà, les quatre meilleurs. Y a pas d'autres commentateurs sur Terre, c'est comme ça, c'est les seuls. Si vous piquez les LCS, ah machin, il leur reste quoi? Ah non, mais on les pique à personne, c'est juste que plusieurs personnes ont le droit de les streamer. Donc voilà, donc Millennium les fera, Ogaming les fera sûrement, puisque si nous on peut le faire, et Millennium peut le faire, je vois pas pourquoi Ogaming pourrait pas le faire. Enfin, à moins qu'ils s'y soient pas pris en avance, enfin, à moins qu'ils aient pas fait les demandes et tout, mais. Enfin, normalement c'est bon, Ogaming ça doit le faire. Enfin bon, bref, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que bien sûr, les LCS c'est ce soir. Putain, j'ai pris le mur! Bon, je la finirai pas, il reste 1 minute 30. Les LCS, c'est ce soir, donc, du très très gros niveau. Là c'est cool parce que, en fait, on est pas encore dans les LCS. On est encore dans les phases de qualification. Et malgré tout, on a quand même du très bon niveau. Putain, mais j'ai réussi à faire ça en un coup la dernière fois. Alors, ça a crash. Alors, bon, apparemment, il y a eu un crash, là. Bon, même nous, évidemment, on n'a pas crash, hein, bien sûr. Donc, je sais pas pourquoi les gens disent crash. Puisque, évidemment, nous n'avons pas crash. Ça a crashé? Non, c'est re. Ah, d'accord. Bah, c'était un faux crash, ça n'existe pas. C'était Dailymotion, c'était les prémices de Dailymotion. C'est Roger dans son hangar, il a fait attention Zerator. Il a fait un petit crash et hop il est revenu. Donc voilà. Alors, bon j'ai déjà fini cette carte tout à l'heure en 13 minutes vite fait. En fait j'écoutais Twix finir son live et j'ai fini la carte donc en 13 minutes 40. Et là je pensais, bah tout à l'heure ça je l'ai passé du premier coup. Et là bon je pensais pas repasser ça assez vite mais en fait non pas du tout. En fait je n'y arrive pas donc tant pis. Ça avait crash pour de vrai. Bah oui, non mais ça, j'ai pas dit ça, hein. J'ai pas dit que ça avait pas crash pour de vrai, j'ai dit... On peut pas faire ça. Bon, il reste 20 secondes. 20 secondes et après on part sur une autre carte. Donc on y va. Bon, très heureux en tout cas de vous retrouver aujourd'hui. On va faire du Shootmania, du Rogue Legacy. Ça faisait longtemps qu'on avait pas fait d'obstacle sur Shootmania. La dernière fois, j'avais fait du combo. Et putain, mais c'est fou, quoi. C'est ouf comme j'y arrive pas. Alors que tout à l'heure, j'ai vraiment réussi en deux... Alors, est-ce qu'on peut faire ça en mode gros PGM? Pas du tout. Ok, en tout cas merci à vous tous d'être ici. Voilà, zéro. Ah, il reste une heure. Ah bah merde alors. Ah bah merde.
Ok. Il reste une heure. Bon bah cool. Génial. Allez à la map suivante. Ah ouais, on va à la map suivante là. Je suis sûr qu'on peut faire ça en mode trop pro là. Genre on peut sauter, esquiver les trucs. Ah voilà, on change de carte. On change de carte. Bon, est-ce que vous avez passé une bonne journée? On est vendredi 13, est-ce que vous avez joué au loto? Parce que voilà, j'ai posté un tweet, je me disais, mais est-ce que les mecs qui disent « Ouais, moi si je gagne au loto, machin », est-ce que ces mecs-là, ils y jouent en fait? Parce que déjà, il faut pas oublier que pour le loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Vous connaissez évidemment cette phrase, évidemment. Donc ne vous plaignez pas de pas gagner au loto si vous n'y jouez pas. Personnellement, je n'ai pas joué. Alors après, ça dépend quel loto et tout. Est-ce que c'est vrai ou pas la Clear Stone? Ah oui, j'ai une Clear Stone à vous faire gagner. Bon alors alors sur le first run en général je suis souvent premier. Bon là non parce qu'apparemment il y a des mecs qui connaissent la map mais. Hop, hop, hop. Ah je suis deuxième. Deuxième pour l'instant. Hop là, je connais pas la carte hein, je découvre. Hop là. Oh premier, ça y est je suis premier. Tiens, premier sur les first run. Ah. Et voilà, mais comme je connais pas la carte, bah souvent, en voulant grid, je vais trop loin. Ah non, ça va, ils ont perdu aussi. On y va, on y va. Oh non, merde. 4 CP, zut. Putain, zut. Putain, pourtant, c'est facile. Hop, en fait, le mec m'a suivi tout à l'heure. C'est pour ça qu'il est mort. Faut aller où, là? Oh, faut aller là, d'accord. Voilà. Faut aller où après? Là-bas. Là-bas. Au Connemara. Ah, il faut pas que je chante ça sinon. Les ayants droit sur YouTube. Catastrophe. Alors attendez. Je peux pas trop regarder IRC parce que là je fais la course avec des potes. Enfin des potes. Ouais. Allez, go là, on y va. Hop. Non. Non. Oh, c'est bon. Ah mais je suis tellement en retard là. Non ça va. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Ah d'accord. Cool. C'est bon, je suis toujours dans les temps. Pas dans les temps. Dans les temps, c'est trop marrant. Voilà. Bon, je suis troisième. Parce que le mec devant moi est passé. Deuxième. Bon, deuxième, je connaissais pas la carte, deuxième, ça va, je suis content. Bon, c'est plus limite de la course que de l'obstacle, hein, là, on est d'accord. Bon, deuxième, ça va. Deuxième sans connaître la carte, je suis content, je fais une bonne performance. Je suis très content. T'es un alien? Ah non, je suis pas un alien, c'est une carte facile, vous rigolez. Hop. Ah, il me gêne, lui, devant, là. Voilà. Hop. Ah! Je vais trop vite pour le jeu. Voilà. Hop. Voilà. Oh là là. Je suis passé devant. Voilà. Quelle pression. La pression. On y va. Hop. Voilà, bien. On continue. Mec, pas du tout stressé. Au secours. Hop. Voilà. Je passe devant. Tac. Ah, ça va être chaud parce que j'ai pas assez de stamina normalement. Oh merde. Est-ce qu'il a raté le mec devant moi ou pas? Oh non, il a réussi. Ah bah c'est mort. Très bien. On y va. Retry, t'as perdu. Mais attendez, déjà j'améliore mon temps. J'améliore mon temps de quelques secondes. Ah non. Ça sature quand je fais ça, sûrement. Ça doit être infâme pour vous. C'est pas grave. Mais pourquoi? Ça y est, ça va m'énerver. Bon. Allez, c'est parti. Zerator, rejoindras-tu Skyheart et Jiraya dans la manche? Moi j'ai dit que si j'avais 30 000 likes avant le 1er janvier, j'allais dans la manche. Je l'ai dit. Putain, j'ai raté.
J'ai raté. Pourras-tu faire un peu de Game Dev Tycoon aujourd'hui? Non, je pense que je n'en ferai plus. Du Game Dev Tycoon. J'ai déjà expliqué pourquoi. Pour moi, le jeu, malgré le fait qu'il soit très fun, possède une linéarité assez peu viable en streaming. Donc, nous n'en ferons plus, je pense. Mais c'est un très bon jeu, je vous encourage à l'acheter et à le finir. Voilà. Bon, j'ai raté. Bon, allez, on va changer de carte. Moi, je préfère faire de l'obstacle plutôt que de la course, en fait. Ça m'intéresse plus. Enfin, je veux dire qu'il y a un petit peu plus de CP, qu'il y a un petit peu plus de trucs. Alors, ouais, on va. Obstacle pro. Ça, c'est un savoir pour moi. Allons-y. Obstacle pro. Il se finit pas Game Dev Tycoon. Bah, si, en fait, mais... Mais bref. Tu vas dans la Manche, la mer ou le département? Ou la partie du vêtement? Bah, les trois. Non, là, la mer. Qu'on voit danser le long des golfes clairs. C'est bon, vous voyez bien la carte, là? Bon, je découvre cette carte en même temps que vous. Ok, super, Zerator. Donc, j'ai oublié de wall jump. Donc, c'est le serveur Devota. Vous le voyez en bas à droite. Serveur de l'équipe Devota. Une team d'obstacles redoutable. Oh, j'ai passé le premier CP. Oh là là, quel talent. Voilà. Alors bon, là c'est des aliens. Ne regardez pas la personne qui est là-bas. Parce qu'évidemment, ils ne font pas partie de notre planète. Ni de notre espèce finalement. Oh là là, comme je passe tous les CP. Eh, mais c'est devenu des noobs sur ce serveur. Oh là, qu'est-ce qu'il faut faire là par contre? Oh là. Ouh, ça m'a l'air plus dur ça. Ça m'a l'air plus dur. Oula, oula. Ça m'a l'air vraiment chaud. Ça m'a l'air vraiment chaud. Je refuse que tu te baignes dans la Manche. Ah, furie. Ah. Ouais, non mais normalement j'aurais pas 30 000 likes avant le 1er janvier. Hein. C'est pour ça que je dis ça en fait. J'aurais aimé, ça aurait été beau. Oh là là, j'ai failli réussir. Oh là 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 là. On va y voir. Oh là là, énorme. Ça c'était chaud. Voilà. Alors je suis en train de me faire insulter par le serveur parce qu'ils sont là. Oui, c'est un French streamer. Chaque fois qu'il arrive sur un serveur, les maps deviennent injouables. donc voilà, catastrophe. Non, tiens. Voilà. Voilà, c'est tellement easy quoi. Voilà. Alors nous faisons une heure de shoot manio et après nous ferons du Rogue Legasso. Oh non mais. Putain de touche espace, de barre espace, excusez-moi. Alors allons-y. Donc, tac tac. Voilà. Ah, tellement pas besoin de rocket jump quoi. Je le fais mais y'a tellement pas besoin. Alors on va essayer de sauter cette fois hein, quand même. Allons-y. Saute. Voilà. Raté. Ça c'est dur à faire. Enfin c'est dur à faire. Non, je suis nul mais. C'est pas grave, je vais y arriver. Pas de karaoké aujourd'hui. Le karaoké reste exceptionnel, je vous l'ai déjà dit. Déjà le karaoké ça ne se demande pas, ça se vit. Et ensuite en général c'est le mardi. Attends, lui il gère, ah non il gère pas en fait, il est mauvais. Il est tombé. Go. J'ai presque réussi, il faut que je bouge plus les épaules. Et voilà. Pourquoi tu sautes avant de prendre de l'élan? Parce qu'en fait dans Shootmania la touche de sprint c'est la touche de saut. Donc si tu veux sprinter, toi, il faut que tu sautes. Là t'actives ton sprint. Tac tac, hop hop hop. Hop hop hop, tac tac, hop hop hop, tu vas saute, sprint. C'est pour ça en fait. C'est exceptionnel tous les mardis. Exactement, le karaoké c'est exceptionnel tous les mardis. Saute, sprint, saute, tac tac, tac tac tac, nul à chier, nullité. Bon, ça en fait, donc, en fait, sur les serveurs Devota il y a toujours un CP, donc un checkpoint, pour éliminer les gros noobs. Et je crois que ce CP nous le voyons, il est ici. Et voilà. Catastrophe. Tac tac. Voilà. Zera, on peut pas changer la qualité, du coup les petites co-lag, tu peux relancer le stream. Bah vous savez quoi, je relancerai le stream dans une vingtaine de minutes quand ça se mettra à drop pour tout le monde. D'accord? Stop shoot mania please. Message useless par exemple. Hop. Pourquoi t'écris stop shoot mania? Est-ce que tu penses qu'en te lisant je vais faire bon allez d'accord. Alors d'accord. Parfois j'arrête un jeu parce que tout le monde le demande, mais tu vois s'il y a un mec. Tu vois genre voilà. Voilà. Alors pour ceux qui veulent avoir
La réponse de pourquoi Wildstar ou pourquoi pas Wildstar, c'est sur ma chaîne YouTube. Je viens de mettre une vidéo. Et voilà. Alors, hop, hop. Hein ? Voilà. Hein ? Très bien. À quand du ST2 Zerator ? Alors, pour ceux qui demandent à quand tel jeu ou tel jeu, bientôt ! Oui, oui, quel que soit le jeu que vous demandez, bientôt, donc surtout restez sur ce stream. Si ça se trouve, à ce stream-là, je jouerai au jeu que vous demandez. Donc on ne sait jamais. Restez. Pourquoi tu joues jamais à Elite ? Bah Elite, j'aime moins qu'Obstacle, pour tout vous avouer. Puis faut attendre, on joue pas tout le temps, ça m'énerve. Voilà, moi je... Si tu décides de jouer, en général, c'est pas pour regarder, tu vois. Si tu fais du shootcast de compétition, tu regardes. Si tu joues, tu joues. Mais si tu joues et que tu regardes, c'est chiant. Hein ? Raté. Bon alors, en fait, il n'y a pas les CP, c'est trop bizarre. Genre là, je sais pas. Ah si, CP2. Ah, mais c'est bizarre comme c'est écrit. Hop, hop. Voilà. Bon, on va pas faire ça 10 000 années, hein, ne vous en faites pas. Je ne vais pas rester sur ce serveur pendant les 37 minutes restantes. Nous allons bouger. Hop, hop, hop. Oh, c'est pas mal. Oh non, j'y étais. J'y étais. Hop. Hein ? Il faut bouger les épaules, hein. Voilà. Attendez, j'y arrive pas vraiment, mais... Hop ! Oh non, mais... Pas croyable ! Non, mais il y a un vrai problème avec la touche espace dans ce jeu. Des fois, ça saute pas, on sait pas pourquoi. Des fois, vous sautez, vous faites des accélérations. C'est très bizarre. Hop ! Du coup, là, je me retrouve à appuyer sur la touche espace très fort. Et à... Putain ! Excusez-moi, ça va ? Rocket jump la deuxième fois. Alors je ne fais pas de rocket jump, c'est interdit par la loi. Par la loi, voilà. Huh. Parce que si on fait des rocket jump, surtout si on doit viser après, regardez ce qui va se passer. Regardez. Hop, 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 hop. Et là, c'est totalement impossible. Parce qu'en fait, je dois regarder vers le bas, ensuite viser vers la gauche, ensuite viser vers la droite. Enfin, ça ne marche pas du tout. Alors allons-y. Voilà. Là, par exemple. J'arrive, tac, je vais là. Là, j'ai fait un rocket jump, mais bon, me stabiliser, vous voyez, pas pour décoller. T'as du mal, c'est tout. Alors, bien sûr, j'ai du mal. Presque. Dommage. On recommence. On recommence. Alors, surtout ce jeu, ne pas s'énerver contre le jeu. C'est pas la faute du jeu, si vous ne passez pas, c'est votre nullité. Ou alors, il faudrait peut-être enchaîner comme ça. Ah, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Non mais tire à tes pieds. Ça s'appelle un rocket jump. Et c'est interdit par par la loi zératorienne. Si j'enchaîne peut-être. Je vais essayer d'enchaîner. Oh. C'était ça. Il fallait enchaîner. Vous avez vu, j'étais coincé sur un bord. C'est la première fois que ça m'arrive ce genre de truc. Hop. J'ai réussi. Je suis passé. Bon là faut faire des rocket jumps j'imagine. Bon là on n'a pas le choix parce que là si on ne fait pas ça on meurt. Donc tant pis. Alors hop hop. D'accord là ça va très bien. En équilibre sur l'ongle de l'orteil. Comment ça la luck? Alors les mecs qui sont pas passés qui me regardent ils sont là. Oh mon dieu la luck. Bon là j'arrive pas à sauter. Mais voilà. Oh non mais... Alors voilà. Vous voyez ce saut que j'ai fait un petit peu sur le côté là? C'est... En gros je fais sauter gauche pour faire, vous voyez, un tout petit décalage. Et ça me fait faire une propulsion comme ça. Vous voyez en fait, si vous le faites trop vite, ça vous fait vous propulser. Putain mais c'est trop mal fait ça. Mais ce n'est pas la faute du jeu, c'est ma nullité. Alors... Hop. Oh god! Oh god! Oh god! Alors, voilà. Tout va bien. Je suis en pleine forme, je suis trop content de streamer aujourd'hui, comme hier. Mais je sais pas pourquoi aujourd'hui, là, je suis particulièrement en forme. Tout va bien. J'essaye d'enchaîner sur cette partie. Ça changera pas grand chose. Enfin, si, peut-être, mais.
En voyant. Mais ça fait quoi si on marche sur les trucs? Est-ce que ça nous élimine vraiment, à votre avis? Hein? Hein? Oh wait, du coup pas de on écho. Ah oui, y a pas de on écho aujourd'hui pour les LCS. Mais on est en train de revoir en fait le truc des LCS parce que si à chaque fois... Ah oui, voilà, on est bien éliminé, je voulais vérifier. Si à chaque fois qu'il y a un on écho, il y a des LCS le vendredi, eh bien c'est sûr que... Ah! Ça risque... On risque d'être fromagé. En chaîne, c'est plus simple. En fait, j'arrive pas à être en phase ascendante tout le temps. À un moment, en fait, le moment où vous arrivez en phase descendante au niveau de vos rocket jump, eh bien, ça devient mort pour vous. Alors maintenant que je suis passé, il y a plein de gens qui sont passés, c'est ça, le truc complètement, complètement abusé. Ça ne va pas du tout. Va sur le coin. LCS où, quand, comment? Les LCS, en fait. Je sais pas si vous savez lire, mais voyez là-haut ce qui est écrit là. Ce sera sur la TV 1. Il y a écrit l'heure. Ce qu'il y a et sur quelle TV. Voilà. Ah oh, merde. Merde. Alors allons-y. Le 20h minute de Sky est annulé aussi. Oh oui, c'est vrai. Ça tombe pendant le truc de Sky. Ah, ça, ça saoule. Ça saoule pour les gens qui voulaient voir Sky parce que j'avoue que... J'avoue qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voir Skyar. Donc je sais pas moi. Oui bah oui sûrement. Hein. Mais les LCS durent pas jusqu'à minuit je crois. Enfin je sais pas. Stamina que au-dessus des grilles. Ouais. Mais je sais pas trop comment quand envoyer ma roquette en fait. C'est un petit peu bizarre. Je sais pas comment les gens font pour jouer à ce jeu, je n'ai tellement pas de patience. Ouais ouais. Alors là, les admins qui me disent « Zerator, apprends à rocket jump !» Donc je leur dis « Non ! Jamais !» Attends, il y a les LCS ce soir. Mais oui, regardez en haut à gauche de mon stream. Regardez le petit bandeau qui dit « Ce soir, superbe LCS de la mort !» Ah voilà, c'est bien là ! C'est bien ! Non, c'est pas bien. Merde. Teste un double rocket jump sur la première grille. Zerator, tu ne peux pas ignorer... Tu ne peux ignorer ta nullité avec... Quoi? Tu ne peux ignorer ta nullité sans fin sur ce jeu. Tout à fait. Hop. 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 Oh, j'étais presque. Là, j'ai essayé de le faire un petit peu. Vous avez vu sur le côté comme ça? Parce que je vous rappelle qu'on lance des roquettes avec le bras. Non, mais je vais finir par rush kit. Hein. Parce que là, putain, pause dans 10 minutes déjà. Putain, ça passe à une vitesse. Ah d'accord. Très bien. Essaye de passer un peu sur les côtés des grilles avec double rocket jump sur le dernier. Alors Bernard, on sait pas rocket jump. Ah non mais moi je sais... Oh là, je sais pas faire grand chose dans ce jeu mais... Mais au moins j'ai passé ça là, je suis content. Ça quand même, je dois admettre que je suis assez fier d'avoir passé cet endroit. Bon je suis dernier mais on est sur un serveur où il y a des très forts gens. Oh là là. Oh dommage. Ah non, je suis pas dernier en fait, attendez. Il y a encore des gens derrière moi. Il y a une double partie. Zera, Sean a dit sur son Facebook qu'il allait être là pour le On Echo. Comment ça se passe alors? Le On Echo d'aujourd'hui? Bah je pense pas. Sinon bah peut-être. J'en sais aucune idée. Je suis pas du tout au courant mais peut-être hein, j'en ai aucune idée alors là. J'avoue que je ne sais pas. Ah oui, je voulais vous dire un truc. Oh là là, il faut qu'on teste un truc sur ce live. Bon, je vais quitter le truc. Je quitte. Il y a un mode solo obstacle qui est sorti. Sur Shootmania, oui, oui. Alors pour ça, vous prenez votre souris, vous allez tout en haut. Là où il y a le truc LCS mes couilles, là. Regardez, je l'enlève. Attendez, regardez. Donc vous allez à la barre en haut, là. Là, vous voyez, je sais pas si vous voyez là où j'écris, là. Là où je suis en train d'écrire, là. Ici, vous écrivez obstacle. Obstacle. Entrée. Et là, quelle ne fut pas votre stupéfaction lorsque vous découvrez l'obstacle? Bon, moi je l'ai déjà en fait. Mais en gros c'est comme ça qu'on l'a. Et donc ensuite, vous allez dans vos stations, vous l'installez. Donc moi il est là, je l'ai mis là. Ici. Juste en dessous de ça, ici. Voilà. Et donc voilà, donc mode solo. Oh là là, mais c'est trop bien, c'est comme Trackmania. Oh, c'est trop bon. Oh, je suis trop ému.
Oh, je suis trop ému. Oh. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Wow. Jump. Sprint. Sprint plus jump. Oula. Oula là, oula là. Attendez, attendez. Wall jump. Gliding. Ah oui. Donc ça c'est la super glissade. Alors. Hook. Donc hook c'est grappin ou crochet mais bon. Goal. Ah zut, il faut faire deux allers-retours. Voilà. Et gagné. Ah, il y a des médailles. Ah, oh, je savais pas. Oh, je savais pas. Restart, delete. Alors, je vais retenter. Attendez, je retente pour avoir la médaille d'or. Mais je sais pas si les médailles d'or sont dures ou faciles, du coup. Go médaille d'or, go faire full gold. Ouais, je vais essayer. C'est parti. Jump. Sprint. Sprint plus jump. Wall jump. Glide. Hooks. Raté. Bon, je recommence. Or, c'est 0,32. Ah non, mais je vais recommencer du début là. Restart, delete. 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 On y va. Hop. Voilà. Wall jumps. Hop. 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 Mais putain, mais comment on fait? Je vais y arriver, attendez hein. Comment on fait? 3 likes avant 28 000? Bien. Il est mauvais, OMG. Mais bien sûr que je suis mauvais. Qui vient de découvrir ça? Essayez de wall jump avant le hook. Mais c'est ce que je viens de faire. Vous avez pas vu, je l'ai fait. Parce que vous le disiez, donc je le faisais. Pardon. Ah, comme ça! Genre là! Oui, mais non, parce que j'aurais pas assez de vitesse non plus, c'est encore pire! Bon, attendez, je vais essayer de m'entraîner sur le truc. Qu'est-ce que c'est ça? GPS. Ah! Ouais, voilà, lui il se balance. Lui il se balance. Alors attendez. Attendez, faut que je m'entraîne. C'est juste courir avec stamina sans sauter. Oh shit. Ne saute pas, balance-toi. Lève les bras, balance-toi sur le rythme de nos bras. Balance-toi, t'as du temps. Ah, vous croyez? On va voir. Oui, on est connecté, est annulé ce soir. Je savais même pas que Shones devait venir, mais ça m'étonne un peu parce que... Enfin, il n'est pas en Angleterre, quoi. Enfin, en tout cas, je l'ai pas vu. Peut-être qu'il est arrivé, mais je l'ai pas vu, en fait. Ou qu'il arrive plus tard. Et non pas gratin de pommes de terre. Oh, il y a un bonus, là-bas. Non, j'ai pas le temps. 30, 31, 32. Peut-être qu'on a le temps, en fait. On recommence. Shones arrive avec le train à 16h. Ok. Bon, on va peut-être arrêter de faire ça. On va aller voir les autres trucs, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Tu as le temps, faut aller plus vite avant.
Ok, super Zerator. Bon, les derniers essais, hein, si j'y arrive pas, tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, je ne saute pas pour rien. Putain. Je ne saute pas pour rien, je saute en fait pour avoir de la stamina. Enfin, pour sprinter. Ceux qui ne connaissent pas le jeu, ne pensez pas que je saute pour rien. Bon, là, j'ai sauté pour rien un petit peu, mais sinon. Sinon, non! Voilà, quelle concentration! On sort toute la puissance d'un homme! Non mais. J'y arrive même pas! Pourquoi j'y arrive pas? C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Merde. Attendez, j'avais trouvé un truc là. Ah voilà. Ah voilà, c'est comme ça. C'est bon, j'ai trouvé. Heureusement qu'il a dit que c'était le dernier essai. C'est bon, j'ai trouvé. Oh merde. C'est bon, j'ai trouvé, hein. Plus besoin de donner des astuces et solutions. Sur IRC, la solution, c'est l'homme canon. Et un mec qui écrit Go sur League of Legends Zerator. Non mais... Tu te trompes de combat. Voilà, là, on fait ça. Là, tac, tac. Hop. Ah. Voilà. Ah bah quand même. Ah, bon, c'est très bien. Je suis content, c'est parfait. J'ai réussi. Alors. Eh bien, deuxième. Deuxième. Médaille d'or, c'est quoi? Déjà, moi, je veux voir la médaille d'or, déjà. Or 37. Ok. Bon, d'abord, découvrons la map. Ok. 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 Ensuite, faut aller où? Là. Ok. Là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pas du tout. Mais alors, pas du tout, Zerator. Ok. Ok. Ah oui, là. Là. Ah oui, là, on fait un gros saut. Enfin, un gros saut. Un saut sprinter. CP2. Ok. Ouais, ouais. Ok, ok. Youhou! Oups, je connaissais même pas la carte. J'ai foncé comme un demeuret. Ok, ok. Ça, c'est une plateforme de glissade, ça? Moi, ouais, je sais pas. Goal! Ah, c'est juste ça! Bon! Ok, réessayons. Bon, je sais pas si j'aurai la gold là. Faut bien connaître la carte. Là, c'est plus un travail de mémorisation plutôt que de skill, j'ai l'impression, sur cette carte. Là. Hop, hop, hop. Ah non, raté. J'ai raté. Alors pour ceux qui pensent que ça se rapproche de Mirror's Edge, l'obstacle, vous vous trompez, hein. Ça n'a rien à voir en fait. Parce que les gens me disaient, ouais, t'aimerais Mirror's Edge et tout, tu verras et tout, c'est pareil, il y a de l'obstacle. J'ai testé, j'ai fait, ah ouais, d'accord. Donc les mecs n'avaient pas compris ce qu'était l'obstacle, je pense. Oh là, là je me suis arrêté, à mon avis c'est pas bon. Voyons voir. Voilà. 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 Ah mais c'est 37 le gold. Ah mais c'est dur. Oh là, oh là, mais j'y arriverai jamais. Oh là, 37. Oh, j'y arriverai pas. Je change de carte. Non, là, ça fait genre 5 secondes d'avance. Pour y arriver en tryhardant longtemps, mais je pense que j'y arriverai pas comme ça en 2 secondes. Mais j'essaierai de faire les médailles d'or. Hein. Mirror's Edge est bien mieux. Mais trop pas. Pour juste le mode obstacle, je suis pas d'accord. Des tonneaux. Genre des tonneaux. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je sais pas si c'est Nadeo qui a fait ce mode obstacle solo ou...
Ou si c'est genre la team Devota. Ah mais c'est pas des... C'est pas des plateformes de skate en fait. Ok. Mais c'est quoi ces blocs de ouf là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces blocs là? C'est juste des blocs dans l'eau. Mais qu'est-ce que... Ça c'est juste une tour, hein, tout ce qu'il y a de plus insignifiant. Une montée, pardon, ce qui est de plus insignifiant. Ah, on ne peut pas. D'accord. Les gens qui ont fait ce mode, c'est Mackie, Stephen, AHZ et It's Violent. AHZ, pardon, et It's Violent. D'accord, mais félicitations à vous les gars. C'est vraiment une belle initiative. You made it! Yeah! La médaille d'or c'est quoi? 33? Putain, mais là je risque pas d'y arriver, c'est chaud. Voilà. Voilà. Donc ça c'est juste des blocs d'eau. Enfin des blocs de terre dans l'eau, c'est bizarre. Enfin de terre, non, de bois, je sais, mais... Des blocs sur lesquels on peut marcher dans l'eau, voilà. Vous êtes contents? Dites-le, je suis content. Ah! Ouais, hein. Alors. Là aussi 37. Putain, mais c'est trop chaud. J'y arriverai pas. Ouais, si là ça me paraît plus faisable quand même, parce que je suis arrivé à 39 au deuxième essai. Donc ça me paraît pas mal. Quoi? Ah non, hors 33, infaisable. Totalement infaisable. Totalement infaisable. 28 000 fans sur Facebook, c'est bon. Bon, bah plus que 2000 alors pour Go dans la Manche. Et voilà. Alors après, il y aura une pause à 1h20. Putain. Est-ce qu'à votre avis... Parce que le problème, c'est qu'on fait des pauses toutes les 40 minutes. Donc est-ce que, genre, après la pause, je passe sur Rogue Legacy? Ou je refais encore, genre, 10 minutes de Shootmania et je switch? Non, je passais direct sur le Rogue Legacy, je crois. On va essayer d'avancer dans les... Dans le monde. Voilà. 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 Oh! Je suis mort! Mais non, mais ce mode solo de Shootmania, là, je vais le bosser un peu. Là. Enfin, je vais pas le bosser, je veux dire, mais on va en faire en stream un petit peu, parce que je trouve ça vraiment cool. Les maps sont bien travaillées d'un point de vue beauté. Ce qui n'est pas le cas, en général, dans les maps obstacles. Et ça, je trouve ça stylé. Et ces blocs de pont, là, mais que dire? Magnifique. C'est vraiment magnifique. Faut savoir que ce jeu est beau, hein. Souvent en stream, parce que souvent en stream, la qualité est un petit peu mauvaise et tout, et vous vous rendez pas compte, mais ce jeu est plutôt stylé, en fait. Mais la médaille d'or c'est quoi? 40? Ouais, 45. Ok, bon. Allez, petite pause les enfants. Et ensuite on repart. Pourquoi pas du Wildstar? Va voir sur ma chaîne YouTube. Là j'ai pas envie d'en faire, là tout de suite. Et on se retrouve nous dans 4 minutes. C'est la fin de Shootmania. Très très triste. On se retrouve dans 4 minutes. Je vous dis à tout de suite.